bien ce que t'avais, hein. C'était bien ce que t'avais. Merci Frotman, la vidéo vient de commencer. Salut tout le monde, c'est Arkaïs en compagnie de Frotman. Salut Frotman. Salut, salut. Pour le défi inutile numéro 7, aujourd'hui, on se retrouve sur le bras de fer où la vidéo a été postée il n'y a pas très longtemps, ou il y aura longtemps, selon, ça dépendra le montage. Alors, ce bras de fer permet en fait de on choisit deux cartes et ça remplit notre deck. Et le but de cette vidéo, c'est qu'on va essayer de faire l'attaque la plus grande, et même l'attaque la plus grande du jeu, on sait pas, hein, avec le rejeton de lumière. Sa compétence, c'est l'attaque de ses serviteurs est toujours égale à sa vie. Donc quand on va le poser à 4 de mana, il aura 5 de dégâts. Oui, il aura 5 de dégâts. Et mon deck est rempli de double les points de vie de ce serviteur, donc à un moment ça fera 10 de dégâts, 20 de dégâts, puis 40 de dégâts, etc., etc. Et le deck de Frotman, qui est le même que le mien, il a Esprit Divin, qui va permettre aussi de doubler les points de vie du rejeton de lumière. Et aussi, il a une autre carte, je m'en rappelle plus, vas-y, je te Moi de pouvoir tentacule, qui coûte 5 de mana, qui donne plus 2, plus 6 à un serviteur. Donc ça pue la merde pour l'attaque, mais pour... comme ça donne plus 6 de défense, c'est vraiment trop fort. Donc voilà, donc Arcis, je te laisse la poser et me laisser mettre mes mots de pouvoir tentacule. C'est ça, ouais. Parce que avant de mettre ta rage intérieure, là j'ai combien de cartes? Faut pas se faire burn. C'est bon, là j'en ai combien en main? Prochain tour, là je vais rejeton de lumière. C'est parti. Allez, ça commence. Allô, oui c'est bon. Ouais, ça commence. Bah, logiquement si, parce qu'ils ont le même effet sauf que lui... Et non, sauf que en fait, ce que tu comprends pas, c'est qu'on avait 4-4, en gros on avait... Ah non, si. On avait 2 cartes pour le buff, tu vois ce que je veux dire? Mais là on en a 4. Écoute, non mais écoute, et non, 3. En fait on en a qu'une directement. Vu que l'effet de Gazrilla en lui-même, c'est comme si c'était la carte Esprit Divin, tu vois ce que je veux dire? On avait que 2 cartes pour feed Gazrilla, c'était que toi qui pouvais le feed. Là, on est tous les deux en train de le feed. Et non, parce que en fait, il y a que moi qui le feed indirectement. Bah non, je le feed. Bah si, parce qu'en fait, Gazrilla, tu vois, esprit divin. Et ben Gazrilla, tous les esprits divins qu'on a dans la main, en fait, ne servent à rien. Attends, je vais faire un petit calcul, on est à 292. Non mais tu verras, on n'arrivera jamais. 292, j'ai combien? J'en ai 15, j'ai 15 cartes esprit divin. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On en a 30, normalement on peut en mettre 30. Putain, c'est une bonne question ça. Non mais on n'y arrivera pas, je le dis honnêtement, on n'y arrivera pas. On y arrivera. Regarde, regarde, regarde ce qui vient de se passer. Hein? Alors, il a implosé. Donc j'avais raison, on peut monter jusqu'à 1 512 000. Arrivé à 2 milliards, la créature se détruit. Il a implosé? Non, c'est pas possible. Je t'ai dit, quand on arrive à 2 milliards de dégâts, la créature explose. C'est ce que je t'avais dit à l'ancienne partie. Il a implosé. Donc voilà, le défi inutile s'achève. On a implosé. Mais Gratilla, elle a... C'est pas logique, il y a un stade qui nous a manqué là. Si, non, Gazrilla, tu t'en souviens bien. Oui. On n'a jamais atteint les 2 milliards avec Gazrilla. Non mais je suis sûr que dans les souvenirs on avait atteint les 2 milliards. Mais non, on l'a jamais atteint, je te disais. T'as bien vu là, ta dernière carte que t'as mis, ça va pas bouger, tu verras. La dernière carte que t'as mis à l'ancien tour, c'était déjà à 1 500 000, et tu verras, ça va pas bouger. Alors conclusion, les amis, nous avons battu, on n'a pas le record du monde. Parce que... Logiquement aussi. Logiquement oui et logiquement non, parce que je crois que le record du monde, le mec il a réussi à faire 1 660 000 et même 1 700 000. Ils ont pas dépassé les 2 milliards, donc maintenant on sait que les 2 milliards c'est impossible à dépasser.
Ça, on Voilà, l'a donc on prouvé. tue une créature arrivée à 2 Ça, milliards. on l'a prouvé, voilà, la créature implose. Nous sommes à 1 225 566 208. On a, je pense, la meilleure attaque avec le rejeton de lumière, donc on a quand même battu un record. Et ça, on peut en être fier. Donc, adieu, Frotman. Non, je rigole, j'ai pas tué. Dans un sens, je suis aussi assez deg parce que on n'a pas mis le dégât. Non, mais si, au moins, on a prouvé un truc qui Ouais, on n'a peut. pas mis l'attaque qui finit, je suis d'accord. Mais après, c'est pas grave parce qu'en même temps, on a prouvé un truc. Donc, c'est cool. Je laisse me finir. Allez, mes petits rejetons. Ma mère ne m'a jamais aimé. Adieu. Mange. Putain, j'y crois pas, je l'ai tué avec un ludo blanc, c'est pas PV. Ouais, en fait, Bon, en on. fait, parce que Hearthstone n'accepte pas, j'ai l'impression. Les 2 milliards sur Stone sont impossibles. On aurait pu aller vachement loin et tout, mais les 2 milliards sont impossibles. Je vois regarder 2 secondes, parle alors 2 secondes, je regarde juste un truc. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Frontman, hein. Allez. Allez, c'est fini, hein, ma chaîne, je t'ai dit, elle est bloquée. Allez, salut tout le monde, bisous tout le monde, à la prochaine.